Le dernier délai pour répondre à l'appel doit faire aujourd'hui. J'ai bien réfléchi. Je dois mettre toutes les chances de mon côté. Donc, voici les coordonnées de 3 sociétés fictives. Avec moi de la testation de bonne exécution. D'accord. Ok. Donc, fais vite. Je complète le dossier. Je l'envoie aujourd'hui. Je fais ça maintenant. À l'analyse des offres, la COJO constate que les attestations fournies par M. Conan sont fausses. Et l'offre de M. Conan est rejetée. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, est alors saisie de ce cas de fraude. Monsieur, vous venez de recevoir un courrier de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Ils se sont rendus compte que certains documents que j'ai fournis pour répondre à l'appel d'offres étaient faux. Donc, je suis interdit de participer à un appel d'offres pour 200. 200. Ah, monsieur. Alors quoi? Au terme du Code des marchés publics et de l'article 6 du décret 2021-874 du 15 décembre 2021 portant modalités d'application des sanctions des violations de la réglementation des marchés publics, sont éliminés de la concurrence et exclus de manière temporaire ou définitive de toute participation au marché public, les acteurs privés reconnus coupables d'inexactitude délibérée. Cette exclusion, prononcée pour 2 ans, peut être définitive en cas de récidive. Usagers clients, pour toute information, priez à contacter la Direction générale des marchés publics au 27 22 55 88 88 ou via le site internet www.marchépublic.ci.